Bien voilà la suite de ce tour que je prends ce vidéo avec la 4ème étape. Merci du jour. Et donc c'est parti pour le live. Qu'à tout de suite. Et bien voilà donc de retour pour le live de la course. Et donc c'est parti, 190,4 km, le temps va peut-être pleuvoir. Alors, sur la petite porte, on est... Hagen. Allez, Wiggins. Voilà. Là, tu as un petit qui est là, il y avait liberté, hein, là. Il y a point. Alors, qui c'est qu'on va mettre en coureur qui peut sortir ben, les Peter Kinog. Alors, on les aperçoit juste devant, on a Jim Ongelman. Alors, faisons un bilan alors, on a Brut, Moreno Moser, Jim Ongelman et Egil Garcia. Alors, on va mettre celui-ci, on va aller chercher les bidons. Non, on va pas me le mettre en relais par contre. Ça va pas le faire. Voilà, ramène les bidons. Bien, Peter Kinog. Attaque-le, Peter Kinog. En tête de course. Voilà, 10 minutes d'avance pour le groupe Peter Kinog. Là, pour faire le sprint massif, enfin un sprint intermédiaire. Est-ce qu'il me relaie les autres? Non, allez, j'en pose une. L'attaque de Peter Kinog. Peter Kinog, je pense qu'il va être le plus donc. Bon, on laisse en tête le groupe hein, plutôt. L'échappée n'ira pas au bout. Peter Kinog qu'on arrive dans la dans une ville. Clairement, je sais pas c'est par rapport à quelle ville. Mais bon alors on va faire rouler notre équipe. Non, on va les mettre à 80, on va voir. Ouais, bien sûr je pense. Bon c'est quoi, on va les mettre à 85. Je pense que les équipiers des sprinters vont être assez chauds. Oh, le Contador qui est en tête de peloton. Samuel Guerrero qui est là aussi. Voilà, donc notre équipe qui impose un gros tempo. En tête de course, voilà donc. Wiggins, on va mettre de la roue, Geraint Thomas. La roue de Geraint Thomas, on va mettre un Chris Froome. Et dans la roue de Chris Froome, on va mettre un Bruce Semelian. Voilà donc. Petit port, arrête de rouler, qui rien que aussi. Voilà. Celui-ci, arrête de rouler. Voilà Moreno Moser qui est seul en
Yes, pour ramener le peloton. Allez, c'est tombé Garen Thomas. De rouler. Oh, il fait des cassures, Garen Thomas. Allez, hop là, donc. Garen Thomas pour amener. Moi, c'est même Chris Froome qui vient son sprint. Attention, Grépet qui me suce la roue. Karen Lisch. Ah, c'est peut-être une victoire pour eux, Froome. Bon, attention là, que Degenkolb, la fusée Degenkolb qui va sur la droite de la route, mais c'est une nouvelle victoire de Boissonnaguel. Ah, moi, attends, attends, là, si je fais ça. Ah, Boissonnaguel, Degenkolb, Garen Thomas, en plus, là, qui me tient, moi, c'est un Tour de France assez spécial, hein. Bon, faut qu'on ait pas lâché. C'est les Gauthier là par contre. Et donc on va tout pour les résultats. Les podiums. Attention. Les résultats pour les de la semaine. Oui. La Sky qui domine. Super de France. Le Messagan, maillot vert, la taille, maillot jaune. De la Thaïlande, il y a 3, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu de points. Si j'avais gardé un meilleur jeune, peut-être qu'il a 41 secondes, toujours. Enfin, notre équipe, c'est le meilleur de la putain, c'est la Monster. Et oui, on s'offre le doublé pour la Sky Pro Cycling, et oui. Pas d'abandon, il n'y a pas eu d'abandon, et non. Donc niveau général, Chris Froome est toujours devant Alberto Contador, Cade Evans, Valverde, Franchek, Rodriguez, Garen Thomas, toujours Garen, Prashkovic, Richie Porte, tous les favoris sont dans le top 50. Mis à part, Romain Bardet. Enfin, je l'ai pas vu. Où c'est qu'il est, Romain Bardet? Non, je sais pas. Moi qui étais dans les premiers. Où c'est qu'il est, Romain Bardet? Là, il y a Jean-Christophe Perrault, Thomas Vauclair, Jean Gadrel, Vivèche, Machanel. Belle, Maxime Boué. On espère qu'il est là. Un peu, je crois, il est jeune. Bardet. Ouais. Ouais, 27ème. Genre, il est loin. Il est loin. Notre ami Romain Bardet est loin. Alors, on se retrouve donc pour la prochaine étape, une étape de Valonnée. Il passe par ma région, la Seine-et-Marne. Ils arrivent à Château-Chinon, Dijon, Château-Chinon. Allez, à bientôt, public. Bisous.